force de murmure. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Même s'il faut partir, changer de train ou de trace, faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace. Et même si les tempêtes et survoler les courants nous feront courber la tête, plier genoux sous le vent, j'irai au bout. Que vous devez me choisir, parce que oui, je peux confirmer, affirmer que je suis une enseignante aimée de ses élèves. Mais par contre, je suis quand même un peu humble, un peu trop humble pour toutes sortir mes qualités. Mais on pourrait aller voir ce que certains en pensent. Est-ce que je suis vraiment une enseignante aimée de mes élèves? On va aller vérifier. Mes supporters qui vont faire partie de l'émission pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce que je suis vraiment une enseignante aimée de mes élèves? Alors, Martine, l'éducatrice de mes élèves qui sera, fera partie de mes supporters. Martine, crois-tu que je suis une enseignante aimée de mes élèves et pourquoi? Oh, Catherine, c'est une des meilleures enseignantes. Catherine, elle aime... elle est à l'écoute de ses élèves. Elle encourage le dialogue et elle gesticule avec tout ça. Donc, elle est resplendissante de joie de vivre. Nancy, ma meilleure amie, qui est aussi enseignante à l'école du CTZL en art dramatique. Alors, Nancy, crois-tu que je suis une enseignante aimée? Absolument, Catherine. Justement, on en discutait. Catherine est une enseignante exceptionnelle et très aimée de ses élèves. Pourquoi est la question que vous vous posez? Catherine a énormément d'humour et elle ne se prend pas au sérieux. Donc, à mon sens, ce sont deux qualités essentielles pour une enseignante.
D'accord. Voilà. Merci, Nancy. On va aller voir Natacha. Miss Kelly, l'enseignante d'anglais de mes élèves. Ah, Miss Kelly, en français? Oui. Est-ce que je suis enseignante avec mes élèves? Et pourquoi? Moi, je trouve ça va être... elle démontre beaucoup d'empathie, ma collègue, avec ses élèves. Puis elle est très à l'écoute des autres avec son dynamisme. Fait qu'elle est superbe. On l'aime. Oh! Merci. Maxime, enseignant de mes élèves en profil orientant et organisateur, entre autres, d'un voyage humanitaire en Afrique. Oui! Oui! Alors, Maxime, je suis enseignante aimée de mes élèves. Et pourquoi? Bien, ça se voit ici. Elle est vraiment aimée de ses élèves. Et surtout, elle a beaucoup de projets et elle est toujours là pour eux. Donc, c'est sûr que c'est la meilleure prof. Le dernier supporteur, mais non le moins, Vincent Lapelle, enseignant aussi en adaptation scolaire. Oui. Et mon mari. Bien sûr. Nous enseignons dans la même école. Vincent, s'il te plaît, trouve-moi oui. deux qualités qui font de moi une enseignante aimée de mes élèves. Moi, je commencerais par dire que Catherine, c'est pas juste une enseignante. On dit que l'enseignement, c'est pas une profession, c'est une vocation. Je pense que Catherine, elle a compris tout le sens de cette signification-là. Parce qu'elle ne fait pas qu'enseigner à ses élèves. Donc, on a dit tantôt, elle crée un lien et tout ça, mais ça va vraiment au-delà. Elle se donne à 150 % travaille le soir pour essayer de les motiver, essayer de trouver la façon de faire qui va faire en sorte que ses élèves vont comprendre. Donc, je pense que le dévouement, c'est, ça fait partie d'elle-même. Bien, en passant la moustache, c'est pour supporter le cancer de la prostate. OK. Alors, merci à mes supporters. Et regardez ces beaux élèves, honnêtement. Ouais! Alors, honnêtement, c'est sûr qu'on vous offrirait un très bon spectacle. On n'a pas peur du ridicule. On n'est vraiment pas gênés. Alors, j'espère que c'est un rendez-vous et qu'on va se voir à TVA bientôt. International Big Mega Radio Smasher.